Dans le numéro du 9 novembre, l'Argus de l'assurance consacre son dossier à la médiation. C'est un des modes alternatifs des litiges les plus utilisés en assurance, notamment parce qu'il s'adresse aux particuliers. Le GEMA a été le premier à avoir son médiateur en 1993, les autres fédérations ont suivi. Après s'être beaucoup développé en assurance automobile, la médiation gagne de plus en plus l'assurance de personnes. Les derniers rapports du médiateur de la FFSA, mais également celui des autres fédérations, sont les premiers à le témoigner. L'assurance vie, et notamment les contrats en unité de compte, ainsi que l'assurance emprunteur, concernent la plupart des saisines du médiateur, en tout cas une grande majorité. Bien sûr, c'est une procédure intéressante, rapide, efficace, mais les médiateurs n'échappent pas aux critiques, notamment en ce qui concerne leur mode de rémunération. Sont-ils vraiment indépendants ?